La FIAC est devenue non seulement l'une des toutes premières foires dans son genre dans le monde, on parle de la FIAC comme ayant intégré le trio de tête des foires d'art dans le monde. En dehors du fait que le temps est au rendez-vous, les affaires le sont également. J'ai entendu de la part de beaucoup de galeries qu'elles ont fait une excellente FIAC, voire même leur meilleure. Nous constatons aussi que les jeunes galeries ont également bien travaillé pour la plupart d'entre elles. La FIAC donc continue ces programmes très importants qui sont dédiés à tous les publics, qui sont libres et gratuits sur la place Vendôme, bien sûr, mais aussi dans le jardin des Tuileries, sur l'avenue Winston Churchill, dans le Petit Palais. On remarque d'ailleurs le niveau d'engagement des artistes un peu partout dans la FIAC, des questions d'écologie, mais aussi d'identité, de genre, sont levés à la fois dans les propositions artistiques et dans les conversations et dans les performances. De très nombreuses œuvres qui lèvent la voix pour un monde de plus de justice, plus de solidarité.